Hop là, et bonsoir YouTube, salut tout le monde, nous sommes en live sur Gamers Origin, sur Hearthstone FR évidemment, et nous sommes sur cette game de Passage Légende, peut-être. Je vais voir si ça lag ou pas d'abord, et si ça lag pas, je vais garder le live open. On va voir. Oh waouh, j'aurais pu piécer ça. Ouais, non, ça c'est correct, normalement ça joue pas Golak à l'image. S'il part sur ping, je pars sur ça, s'il part sur la 2-3, je pars sur ça, ok? Ça me paraît fair play. Et il a l'air d'avoir top decké une bonne carte. Il part sur le ping. Il a touché la carte qui est là, donc on sait que cette carte-là vaut 2 points de mana. Cette carte-là qui l'a top decké tour 2 là, là où il y a marqué le 2 là, elle vaut 2 points de mana. Donc on sait, on a l'information. Là c'était un petit misplay de sa part, enfin pas très grave, mais il l'a montré. Voilà, bon là maintenant on sait, mais sur une game qui va durer longtemps, on saura jusqu'à la fin de la game s'il la joue pas, que cette carte-là il pouvait la jouer sur ce tour-là. Donc de préférence. Si vous jouez, surtout si vous commencez à atteindre des niveaux un peu hauts, comme à partir de rang 5 en fait, globalement, où les joueurs vraiment font très gaffe, essayez au maximum de ne pas toucher vos cartes avant d'être sûr de ce que vous voulez faire. Je touche pas mes cartes, je lâche ma souris, et là je suis sûr de vouloir faire un truc et je le fais. Il n'y a pas de ouais et tout, je verrai, je touche d'abord, après, non, non, ça rien. Vous donnez juste des informations qui ne sont pas, que vous n'avez pas à donner en fait. Allez, on bourre de manière maximale, et on va jouer ça de ce côté, parce que là il va y avoir deux créatures et deux créatures ici. Très très bon. Et là c'est en top deck. Furie sanguinaire. C'est le passage légende le plus rapide de l'histoire de l'humanité. Coucou YouTube. Ah, il y a évidemment tout le monde qui dit coucou YouTube sur le chat. Ça fait plaisir. Hop. Oh bah non. Oh ça va, il a rien fait. Furie sanguinaire. Furie sanguinaire. Allez. Le talent maximal. Ah mince. Ah, vraiment pas eu de chance je trouve sur cette partie. C'est le mec. Ah. Franchement cette partie s'est mal passée. Alors, cette carte là. Cette carte là que vous voyez là où il y a marqué 3, regardez là, juste là, hop là. Celle-là, j'ai très très peur que ce soit un flame strike pour 5 points de mana, ok? Parce que s'il a eu la proposition de prendre flame strike, à 100% du temps il a pris flame strike. Jamais on te dit tu peux prendre flame strike et tu choisis de ne pas le prendre. Donc s'il l'a eu, il l'a pris. Hein. Ça c'est une information sûre et certaine. Donc du coup, on va pas partir sur un maximum de dégâts, on va juste développer ça ici. Voilà, hop, on le développe ici, et on n'a pas besoin de développer plus. On a besoin de développer plus, comme ça voilà, cette carte là de toute façon elle se recycle, parce qu'on dépense une carte mais on en pioche une autre, donc c'est pas très grave, et s'il la tue pas tant mieux pour nous, mais s'il la tue, au moins voilà, lui ça lui coûtera son tour et nous on redéveloppera à nouveau. Mais en tout cas faut juste faire gaffe à cette carte là qui fait très peur, sinon tour 5 normalement on est ok, il peut avoir potion volcanique ou des trucs comme ça qui sont un petit peu chiants mais finalement rien de bien catastrophique. Il peut avoir Nova Hospice aussi qui est un petit peu relou, mais il faut savoir qu'on a une dévolution dans la main qui peut résoudre le problème. Oh, dis donc. Si on fait ça. Faut que je fasse gaffe un peu à. Non, j'ai l'initiative, non, c'est bon. Ok. Un contre-sort. Tout se passe comme prévu, les gars. On va double trade, je pense. Ouais, on va double trade ici. Y'a pas de raison de faire beaucoup plus. On n'a pas de raison de faire beaucoup plus, on va juste développer comme ça. Et là, a priori, bah non, bah c'est bon, il l'a joué. C'était le secret, ouais. C'était le secret, il l'avait eu sur. Ouais, c'était le primordial. Donc là, on va juste développer ça, on aura un full board. On a besoin de le développer. On n'a pas besoin de le développer. Mais ça fait toujours un dégât en plus. On sait jamais. Si, vu qu'il a a priori pas de flame strike après, il peut avoir Blizzard qui serait chiant. Mais s'il a Blizzard, encore une fois, il tue pas ça. Et le fait de pas tuer ça, ça m'arrange énormément. Donc ça me dérange pas. Allez, poulet. Est-ce que tu as le Blizzard ou est-ce que tu vas t'avouer vaincu contre une sortie si incroyable finalement de ma part? Parce que les deux games précédentes, parce que là c'est la troisième game pour les gens sur YouTube, évidemment vous avez probablement pas encore vu, mais... Oula. Vous avez probablement pas vu, mais... c'est la troisième game et les deux games précédentes, on a eu Neneuil et Gangstario en main de départ. Ah. On passe légende, j'allais mettre la musique épique. Dommage. Et on passe... Quel rang légende? Là je suis passé très tard, mais j'ai arrêté Hearthstone pendant une petite période du mois. Ouh, 3800. 3800, j'imaginais peut-être pire, mais ça va. 3800, ça va. Lui, il était 4800, donc on est passé légende contre un mec assez bas. Il doit avoir quoi, 6000, 7000 légendes. Ça va, on est vers le milieu. Là, maintenant, il s'agit de monter. Il s'agit de monter. Voilà. Je vais rajouter cette, vidéo à une autre vidéo que je vais faire, du coup, pour YouTube. Donc, où je présenterai le deck. C'est un deck très intéressant. C'est à l'heure actuelle le deck le plus fort du jeu avec le voleur, mais il est au-dessus du voleur, donc très très fort. Voilà, voilà.
Je vous fais des bisous à YouTube et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao mes potes. Hop.